Les Zimbabwéens initient un mouvement de ville morte pour protester contre les difficultés économiques en proie dans le pays. Ce mouvement social appelé hashtag This Flag, lancé en avril 2016 par un jeune pasteur d'Harare, appelle à un arrêt de travail national. L'objectif est de protester contre la pénurie généralisée de devises, la corruption, le chômage et la banque centrale qui veut faire circuler des billets locaux, un moyen détourné selon les initiateurs du mouvement de réintroduire le dollar zimbabwéen en hyperinflation. Ce gouvernement ignore la détresse des citoyens et les gens ont bien dit, cela n'aura aucun impact. C'est un gouvernement qui ne respecte rien. La seule chose que vous devez comprendre, c'est qu'au contraire, cette situation unit les citoyens. Pour la première fois depuis très longtemps, nous faisons quelque chose ensemble. Une sécheresse dévastatrice a aggravé les difficultés économiques, y compris le chômage élevé, alors qu'une pénurie de liquidités a provoqué la colère des citoyens du Zimbabwe. La manifestation du mouvement hashtag This Flag depuis le 6 juillet 2016 a coïncidé avec une grève des médecins, des enseignants et des infirmières dont les salaires avaient été retardés, ce qui a conduit à l'arrestation de 95 personnes. Le Zimbabwe n'a plus connu pareil mouvement de protestation depuis la manifestation d'avril 2007. Je ne suis pas du tout contente puisque je travaille comme indépendante et chaque dollar est important. Je suis également préoccupée par la violence. La Banque centrale prévoit de faire circuler les billets de banque locaux d'ici la fin de cette année 2016. Une décision source d'inquiétude au sein des populations qui ont perdu épargne et retraite en 2008 lorsque l'impression des billets avait provoqué une hyperinflation. Le gouvernement rencontre des difficultés à financer son budget qui s'élève à 4 milliards de dollars américains cette année. Le mouvement hashtag This Flag de Mawawira prévoit une nouvelle grève de 2 jours la semaine prochaine si les exigences ne sont pas remplies.